sa femme. Il est le chef de sa femme. Bible sur le mari et mari aimez vos femmes. La Bible nous dit, mon père linga moi na yo. Et femme soyez soumise. Et moi si je n'ai pas ma sœur ma colère mon père. Comment moi ça cause la soumission? Comment la femme peut être au pied de son mari si toi tu ne respectes pas celle que tu es. Personne n'a entendu Noé. C'est le temps qu'on est en train de passer. C'est le temps qu'on est en train de passer aujourd'hui. Tellement de combien de temps il y a Noé. C'est le temps de Noé que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. L'île de la Zambé, Panzani partout. La parole de Dieu est évangélisée partout. Qui entend? Qui obéit? Les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans la distraction. Il regarde dans les couples, il y a des femmes qui se trompent des fois pour dire oui, je ne pourrai rien faire, mon mari, c'est un serviteur de Dieu, ne pourra pas bouger, il est à la maison. Mais regarde, ce couple est en train de se séparer. La femme doit prendre le contrôle de sa maison. Tu dois faire le bien à ton mari chaque jour. Tu dois faire du bien à tes enfants. Amen. Amen. Tu dois impacter dans ta maison. On doit parler de ce que tu fais du bien. Il faut qu'on voit les changements dans la vie de ton mari. Quand il s'est marié et quand il est devenu ton mari, il doit avoir un changement. Amen. Amen. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent. Depuis que cet homme est marié, il était un grand soulard. Un ivrogne. C'était un gardien fêtard. Mais depuis qu'il a trouvé cette femme, elle a changé la vie de son mari. Il s'est métamorphosé, il s'habille bien maintenant. Maintenant, c'est même son visage a changé. Maintenant, l'impact que tu dois amener dans la vie de ton mari. Tu rentres dans la vie de cet homme. Cette maison n'était pas bien. Maintenant tu commences à arranger tout, mettre tout à leur place. La femme doit connaître ce que doit être partout. Tu ne peux pas prendre la salle à manger pour mettre dans les toilettes. Amen. Il faut prendre soin de votre maison, de vos maris et de vos enfants. Amen. Si Dieu nous a parlé de cette femme, parce qu'il a dit que cette femme c'était une femme de valeur. Et il voulait que toutes les femmes soient comme cette femme. Soit le modèle de cette femme. Amen. Suis le modèle de cette femme et il faut aller finir
le reste à la maison. Nous allons poursuivre demain. Amen. Parce que le temps nous est imparti, nous allons poursuivre demain. Amen. Gardez ce que vous avez entendu, vous avez pris comme enseignement aujourd'hui. Laisse que Dieu nous bénisse tous. Amen. 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 Acclamons très fort pour le roi des rois.